Utopia. Non, sérieux. Moi aussi. Alors j'étais voilà sur mon ordi portable, je joue un jeu vidéo et puis là d'un coup, bam, je reçois un mail. Du coup, je vais sur le mail là, je regarde une ligne grande comme ma main. Pff, la flemme de lire. J'ai retenu Utopia. J'étais sur le téléphone à ma mère. Je tapais Utopia. Et puis bah apparemment bah, c'est une cité magique. Pff, bon, lâche-moi. C'est à moi que tu parles parce que je te jure pas tout de suite merde. Je sais pas ce qui me retient de te mettre une droite, mais là. Bon, je tu sais peux pas te calmer là. Qu'est-ce que tu veux toi? Mauviette. Merci. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le vol 123 Air Bonheur en destination d'Utopia a pris 3 heures de retard. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et merci de votre compréhension. Non mais c'est pas possible, hein, 3 heures de retard, attends. Qu'est-ce que tu veux attendre 3 heures là? Ils repeignent l'avion ou quoi? Qu'est-ce que tu veux faire pendant 3 heures là? C'est pas possible. Tu vas attendre 3 heures. Que je vais aller lui taper. Vous allez à Utopia? Oui. J'ai reçu un mail et. Tu en vas plus, hein? Je suis pas venu au monde pour souffrir, ok? Dégage! J'ai mal. Vous avez su pourquoi l'avion avait 3 heures de retard? Perdu ma dent. Pas trop de dents. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est pris une baffe par la baffe. Ça fait mal. Ouais. Enfin, je pense. Vous allez où? Moi, je vais à Utopia et vous? À Utopia, on va tous les trois voir Utopia, nous aussi. Utopia, qu'est-ce que ça peut bien être comme ville? Je ne sais pas. Vous pensez que c'est une arnaque? Ah, je ne sais pas. Peut-être. Ça me stresse. Mais tu vas arrêter de stresser à la fin! C'est son humeur habituelle. Pour vous dire. Tenez, voici des photos. Regardez. Ouais, c'est joli quand même, non? Regardez le texte. Ouais, quand même. Ils disent que tout est gratuit. Ouais. En fait, tout est gratuit parce qu'il n'y a pas d'argent. Les hôpitaux sont gratuits, les transports sont gratuits, les transports en commun sont gratuits. Quoi? Il n'y a pas de travail en fait. Ce que tu veux, tu l'as. De suite. Voilà. Les gens sont aimables, mais ça, on peut pas savoir. Hein. On verra sur. Quand on y sera, ouais. Ouais. Enfin. Ça va sans doute cacher quelque chose. Ça me stresse. Mais oh! Je t'ai dit, c'est quand que tu vas arrêter de stresser à la fin? C'est fou ça! Vous allez où? J'ai fait un coup d'eau sur ma zone. Ah! Je croyais que vous aussi, vous alliez nous quitter. Non, vous inquiétez pas. Vous gardez la place, hein? Oui. Merci. Vous pensez que c'est parce qu'il était stressé qu'il nous a quittés? Bien, sûrement, mais. Et il était trop stressé, il stressait toutes les 5 minutes, il disait tout le temps ça me stresse. Oh non! Vous pouvez vous mettre là? Nous avons un ami, Barandès, quoi, qui est allé aux toilettes. Vous verrez sa mauvaise humeur dès qu'il viendra. Et sinon, vous allez où? À Utopia. Ah, vous aussi. D'accord, donc je suppose que vous avez reçu le mail. Ouais. D'accord. Bah, je sais pas si vous en connaissez plus que moi, mais bon. Moi j'ai vu qu'il y avait pas beaucoup de pollution, beaucoup de forêts. Ça a l'air bien, quoi. Ouais, ça a l'air pas mal. On connaissait pas ça. On savait juste qu'il n'y a pas de travail.
Ah bah tiens, voilà notre rigolo. Je vous l'avais dit. Bonjour. Vous êtes? Je suis Sir Jolekerry, et vous? Bon bah moi c'est Jean-Claude Van Damme. Enchanté, Jean-Claude Van Damme. Et vous, vous êtes? Je suis Jean-Christ. D'accord, et Jean Yolo. Mais dis donc, il y a beaucoup de gens dans cette salle. Oui. Non, on n'est pas beaucoup. On n'est que 4 personnes. Je crois qu'il parlait du prénom de Jean. Oui. Ah, mais explique quand tu parles. Tu dis à quelqu'un bonjour et que tu parles de quelqu'un d'autre, et ben tu le regardes dans les yeux. Pas là, c'est pareil. Oui. Enfin. Bon. Et sinon, vous savez quand il arrive l'avion? Je ne sais pas. Ouais. Et ils avaient dit que l'avion n'est pas. Ah. Moi, je pense que c'est pour nous. Non. Mesdames non. et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Les voyageurs à destination d'Utopia sont invités à se rendre. Couloir B19, dans le secteur ouest, section 7, allée 126. Air Bonheur vous souhaite un excellent voyage. D'accord. Oui, couloir B24. Non, B29. B29. On est revenu au point de départ. Ah bah j'ai dit son tête de merde. C'est con. On peut faire confiance. Oh, m'énerver, hein. C'est con. Attendez, peut-être que c'est encore pour vous. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Les voyageurs à destination d'Utopia sont invités à se rendre. Vous l'avez dit. Écoutez couloir bien. Couloir B19, dans le secteur ouest, section 7, allée 126. Air Bonheur vous souhaite un excellent voyage. Ah, mais c'est facile! C'est facile! Allez.신사숙녀 여러분, 북한의 133개 평양 방문을 환영합니다. 북한 당국이 신원을 확인하기 위해 통과할 것임을 알려드립니다. 우리에게 좋은 여행과 영광을 가져라. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol 133 en direction de Pyeongchang, en Corée du Nord. Nous vous informons que les autorités nord-coréennes passeront parmi vous afin de contrôler votre identité. Bon voyage et gloire à notre maître Kim Jong-un. Thank you.